Il a été l'assistant de François Truffaut et de Jean-Pierre Melville. Il est connu pour son petit rôle d'amoureux de Colette dans le cycle Antoine Doinel et, surtout, pour celui du professeur de philosophie dans Passe ton bac d'abord de Maurice Pialat. Jean-François Adam a écrit et réalisé 3 films personnels et exigeants qui, s'ils n'ont pas rencontré un succès public, ont reçu des critiques positives et son œuvre est aujourd'hui encore régulièrement projetée dans les cinémathèques. Il a vécu avec Brigitte Fossé. De leur union est née l'actrice Marie Adam. Il met fin à ses jours d'un coup de carabine le 14 octobre 1980 et est inhumé au cimetière de Seine-Port, Seine-et-Marne.